Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez enrichir vos vidéos en ajoutant des évaluations ou bien des questions multiples. Donc, cette fa façon de faire peut être effectuée en utilisant l'activité H5P. Donc là, je vais vous montrer un exemple. En cliquant sur ce lien, je vais avoir une vidéo. Cette vidéo, elle est hébergée sur YouTube. Donc, les apprenants peuvent consulter la vidéo et à un moment donné, on va arriver à un moment où la vidéo va s'arrêter. Donc, à ce niveau-là, l'apprenant va répondre à une question. Donc, la question, qu'est-ce que la demande de monnaie? Et là, vous avez la fonction qui décrit le comportement de demande de monnaie. Donc, par exemple, je suppose que ça, c'est la bonne proposition. Une fois que c'est fait, donc l'apprenant peut par la suite continuer la vidéo d'une façon ordinaire. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. Donc, on va aller au niveau de notre première section de cours. On va, par exemple, là, au niveau de la section 2, je vais ajouter une activité ou une ressource. L'activité que je vais utiliser, il s'agit évidemment d'activités. Donc, l'activité, c'est une activité de type H5P. L'activité type H5P comporte plusieurs types d'activités. Et là, nous allons utiliser le type interactive vidéo ou bien la vidéo interactive. Vous pouvez cliquer sur Ajouter. Vous pouvez trouver une démonstration ou bien aussi plusieurs exemples. Et en cliquant sur Utiliser, j'aurai la possibilité de mettre la vidéo en question. Donc là, je vais choisir consulter la vidéo suivante. Et au niveau de l'emplacement de la vidéo, vous avez trois étapes en fait. La première étape va vous permettre de mettre la vidéo, de l'importer via YouTube. Deuxième étape, d'ajouter des activités. Et troisième étape, d'ajouter un récapitulatif. Donc, au niveau de cette vidéo, je vais m'intéresser seulement à la première et la deuxième étape. Donc là, j'ai la vidéo, elle est là. Donc, je vais la sélectionner, le lien. Le voici. Et je vais aller vers l'emplacement où je peux ajouter la vidéo. Donc là, je vais coller le lien et je vais insérer. Donc, du coup, la vidéo est ajoutée. Pour ajouter des activités, je clique ou bien je passe à la deuxième étape. Donc, un emplacement donné, par exemple cet emplacement-là, je vais mettre la question, ou bien je vais ajouter une question. Donc, la question que je vais choisir, c'est celle-là. Donc, au niveau de cette interface, vous avez initialement la possibilité d'ajuster la plage horaire d'apparition de la question, de mettre aussi la vidéo en pause si vous voulez que la vidéo s'arrête au moment de la réponse à la question. Donc là, vous devez renseigner cette option. Vous pouvez choisir entre deux fonctionnalités, soit d'afficher sous forme de bouton ou bien d'afficher sous forme de cadre. Je préfère l'affichage sous forme de cadre. Et là, vous pouvez ajouter le titre de la question, par exemple, donner votre réponse ou bien répondre à cette question, ou bien je vous invite, par exemple. Je vous invite à répondre à cette question. Et le champ de saisie de la question est le suivant. Vous avez par la suite les possibilités de réponse, sachant que la première proposition, c'est la bonne proposition. Évidemment, là, pour les questions à choix unique. Donc là, par exemple, je vais dire une fonction. Voilà, donc ça, c'est la bonne proposition à donner. On va ajouter quelques mauvaises propositions, bien quelques mauvaises réponses. Donc là, par exemple, une fonction qui relie la demande de monnaie d'une part et le taux d'intérêt d'autre part. Par exemple, là, donc je vais ajouter cette proposition. Je peux ajouter aussi une troisième. Voilà, donc on a nos propositions. On a une seule question, mais on peut ajouter autant qu'on souhaite comme proposition. Donc si c'est fait, on va cliquer sur valider. Voici l'affichage que vous allez avoir. Je peux ajuster donc l'emplacement et la dimension de l'affichage. Je peux évidemment l'éditer de nouveau. Je peux
amener en premier plan, je peux l'amener aussi en arrière-plan, comme je peux le supprimer. Supposons que c'est la bonne façon de présentation, on va aller vers enregistrer et afficher. À ce moment-là, nous allons afficher l'output de notre vidéo, c'est-à-dire le résultat que nous allons avoir. Donc voici ce qu'on va avoir comme vidéo. Donc l'apprenant a la possibilité évidemment de consulter la vidéo à un moment donné, lorsqu'il va arriver à un moment donné à ce niveau-là, donc avec un petit cercle cliqué là. Donc une fois que c'est affiché, la vidéo s'arrête avec une question qui apparaît et l'apprenant a la possibilité de répondre à cette question. S'il clique sur cette question ou bien sur cette proposition, la vidéo va lui afficher bonne réponse. Donc là, je peux paramétrer cet affichage-là et je vais cliquer sur continuer pour poursuivre la vidéo. Voilà, donc ça c'est l'objet de cette petite vidéo de démonstration. Je reste à votre disposition pour tout ce que vous avez comme commentaire. Merci.